Alors bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. On attend encore 2 minutes que tout le monde puisse bien se connecter, puis on va commencer. Ok, on va commencer. Donc, je pense que tout le monde m'entend. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes nombreux, c'est super. Donc, on est très content d'être là ce soir avec vous pour cette présentation sur la médecine nucléaire à destination des médecins généralistes. On est tous les trois praticiens spécialistes des centres de lutte contre le cancer au Centre Eugène Marquis à Rennes. Donc moi, je suis le docteur Pierre-André Zimmermann. Je suis accompagné de mes deux collègues que je vais laisser se présenter. Ah, moi, je suis Clément Guéry. Et moi, je suis Cécile Quevillier. Enchantée. Ok, donc l'idée de ce webinaire, elle vient de discussions en fait qu'on peut avoir souvent avec nos amis et confrères qui sont pas de notre spécialité, qui sont d'autres spécialités dont la médecine générale et puis qui nous disent souvent oui, alors la médecine nucléaire c'est un peu comme la radiothérapie ou la radiologie, ou encore la médecine nucléaire, c'est en lien avec la cancéro, je me vois demander un examen de médecine nucléaire. Alors, ce webinaire, on l'a vraiment pensé comme un échange pour d'abord démystifier certains aspects de notre spécialité, et puis vous proposer des rappels généraux sur les examens complémentaires qu'on propose, vous apporter des réponses claires sur l'indication et les résultats de nos examens, et puis vous détailler un petit peu le parcours des patients au cours de sa prise en charge dans le service, parce que tout le monde n'a pas eu l'opportunité de visiter un service de médecine nucléaire. Donc, notre présentation, elle va s'articuler autour de 4 temps principalement. Dans un premier temps, je vais vous présenter la médecine nucléaire, donc généralité et puis organisation du service. Donc là, on va généreusement enfoncer des portes ouvertes tous ensemble avec des notions que vous connaissez déjà, mais également soulever certaines interrogations qui se posent, que mes amis me posent concernant ma spécialité. Ensuite, le docteur Cuvillier vous parlera de la scintigraphie osseuse et en particulier des indications pour les pathologies auxquelles vous êtes régulièrement confrontés en médecine générale. Ensuite, le docteur Guéry nous fera un rappel sur la pathologie thyroïdienne. Donc, à la fois sur la place diagnostique et thérapeutique de la médecine nucléaire. Et puis, en fonction du temps qu'on aura pris pour tout ça, hein, parce que l'ambition, c'est quand même de vous le faire en 30 minutes, on prendra quelques questions et on discutera avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat du webinaire et on y répondra en fin de présentation. Alors, vous pouvez les poser au fur et à mesure, comme ça nous permet de les référencer et puis vous de ne pas les oublier. Et on revoit ça à la fin tous ensemble. Alors, la médecine nucléaire, doit-on en avoir peur? La réponse, c'est non. Mais déjà, qu'est-ce que c'est? Comment ça se définit? Alors, pour faire simple et concis, moi, j'aime bien dire que la spécialité de médecine nucléaire, c'est une spécialité médicale où on fait des images et des traitements à l'aide de médicaments faiblement radioactifs. Alors pourquoi je précise faiblement radioactifs? Parce que souvent, quand on entend médecine nucléaire, on l'associe dans l'esprit des médecins à la radiothérapie, là où les doses ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, je vous ai remis d'ailleurs des ordres de grandeur pour bien se rendre compte. Donc le rayonnement naturel en Bretagne, c'est 2,8 millisieverts par an, hein. Une scintigraphie osseuse, c'est 4 millisieverts. Et un scan abdominopelvien, c'est 7 millisieverts.
Donc, on se rend compte qu'en fait, on est sur des doses d'imagerie standard, hein, de radiologie standard. Et donc, quand on a dit ça, on peut déjà répondre à une des principales questions qui m'est régulièrement posée, c'est qu'il n'y a aucune consigne de radioprotection pour le patient ou l'entourage du patient après un examen diagnostique en médecine nucléaire. Et je précise bien diagnostique, parce que c'est vrai que des consignes de radioprotection, il peut y en avoir dans notre spécialité, notamment sur le versant thérapeutique. Ce ne sera pas vraiment le sujet de ce webinaire, sauf en toute fin, quand le docteur Guéry nous parlera de la thyroïde. Et donc, est-ce qu'il existe des contre-indications des examens de médecine nucléaire ? Il existe une contre-indication relative à faire des imageries de médecine nucléaire, c'est la grossesse et l'allaitement. Donc là, ce n'est pas une contre-indication absolue. Le rapport bénéfice-risque sera évalué avant de réaliser l'examen chez une femme enceinte ou allaitante. Allaitante, on lui demandera d'arrêter l'allaitement avant de tirer son lait. On fera les examens et puis elle pourra reprendre l'allaitement à distance. Donc, c'est tout. Pas d'autres contre-indications, notamment pas de contre-indication en cas d'insuffisance rénale, pas de contre-indication en cas d'insuffisance hépatique. Un autre point important, c'est pas d'allergie aux traceurs que nous utilisons. Aucun des traceurs que nous utilisons n'est allergisant. Et donc, en parlant de ces traceurs, on les appelle aussi des radiopharmaceutiques. Et donc, un radiopharmaceutique, c'est composé de deux éléments. Un vecteur, tout d'abord, et un marqueur. Donc, on va détailler un peu. Le vecteur, généralement, c'est une molécule d'intérêt qui va venir se fixer sur un récepteur, sur une autre molécule, ou suivre un phénomène biologique qu'on souhaite mettre en évidence. D'accord ? Et le marqueur, lui, alors c'est l'isotope, le radioisotope, ou isotope radioactif, donc tout est dans le nom, radioactif, dont l'action est d'émettre un rayonnement. Et c'est ce rayonnement qui va nous permettre de faire suivre, qui va nous permettre de faire l'image pour suivre le processus qu'on étudie. Donc, plusieurs étapes. Tout d'abord, pour l'examen, on va administrer le radiopharmaceutique. Donc, classiquement, l'administration se fait par injection intraveineuse. Mais on peut également inhaler le radiopharmaceutique, si on cherche à mettre en évidence, par exemple, la ventilation pulmonaire, ou encore une administration orale. Dans un second temps, on va faire l'acquisition des images. Donc, l'acquisition, ça peut être quelques minutes à plusieurs heures après l'administration du radiopharmaceutique. Et enfin, l'interprétation de l'image. Interprétation, un compte rendu. On détaillera peut-être un petit peu en fonction des pathologies osseuses qui vous seront présentées, des pathologies thyroïdiennes, ce qu'on peut attendre de nos examens. Donc, nos examens, ça se passe sous une gamma caméra. La gamma caméra, c'est l'instrument qui nous permet de faire les scintigraphies. Donc ça se présente comme suit. Vous voyez, il y a une table sur laquelle le patient va être allongé. Et puis cette table, elle va avancer tout d'abord devant deux têtes qui sont les détecteurs de la gamma caméra qui vont détecter le rayonnement du radiopharmaceutique. Et l'anneau que vous voyez derrière, c'est un scanner parce qu'en fait, aujourd'hui, tous nos examens peuvent être couplés à une imagerie morphologique avec des scanners de qualité diagnostique. Et donc là, on comprend bien la différence entre imagerie d'émission, qu'est la médecine nucléaire, et l'imagerie de transmission, qu'est la radiologie standard. Donc, je vous ai remis cette slide parce qu'elle illustre bien. La radiologie standard, on va émettre un rayonnement, qui est un rayon X, va traverser le patient, on va récupérer derrière pour faire une image. Ça, c'est pour la radio et le scanner. Alors qu'en médecine nucléaire, c'est le patient qui rayonne. Et on va détecter ces rayonnements avec nos détecteurs. Alors le service de médecine nucléaire, et surtout le parcours patient. Parce que souvent, vous allez demander une scintigraphie. Déjà, ça fait un petit peu peur. C'est dans un service de médecine nucléaire. Le patient, il commence à tachycardie. Hein, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut prendre sa tension au cabinet. Et puis, vous dites, vous allez aller au centre de lutte contre le cancer. Parce que le centre de lutte contre le cancer, le service de médecine nucléaire fait absolument toute la médecine nucléaire et pas seulement l'oncologie. Et donc là, il peut vous interroger, vous dire, mais comment ça va se passer ? C'est très simple. Le patient, il arrive, il va être accueilli par nos secrétaires, et ensuite vont le rediriger vers la salle d'attente dite froide, où se trouvent les patients qui n'ont pas été injectés en radiopharmaceutique. Le patient va être pris en charge par un manipulateur qui va l'emmener en salle d'injection. Là, le radiopharmaceutique est administré au patient, et le patient va
changer de salle d'attente pour se retrouver dans une salle d'attente chaude. Donc, comme je vous ai dit, les images peuvent se faire quelques minutes, à plusieurs heures après. En salle d'attente chaude, ensuite, il va passer en salle d'examen. On retrouve notre belle machine Gamma Camera. Et une fois que l'examen est fait, le patient peut retourner en salle d'attente chaude si un complément d'examen va être demandé dans les minutes qui suivent. Ou alors, il va repartir sans forcément retraverser tout le service et rentrer chez lui. Encore une fois, sans consigne de radioprotection particulière. L'examen est terminé. Voilà pour ma partie. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les écrire dans l'espace de discussion. Et puis, on y répondra à la fin. Et je passe la parole au docteur Cuvillier qui va nous présenter la scintigraphie osseuse et nous présenter aussi quelques cas cliniques très intéressants. Alors, je vais vous partager mon écran. Tu as quitté ton partage, ouais. Hop. C'est bon pour l'écran, vous voyez bien tout l'écran, ouais. Merci. Ok, donc on est parti pour la scintigraphie osseuse en médecine générale. En 15 minutes, bon, c'est un gros challenge, mais qu'on va relever. Donc d'abord, les principes de la scintigraphie osseuse. En quelques minutes, comment ça marche une scintigraphie osseuse? Donc, pour faire une scintigraphie osseuse, on injecte par voie intraveineuse des bisphosphonates qui sont marqués au technétium 99M. Il n'y a pas vraiment de préparation nécessaire pour le patient. Le patient il n'a pas besoin d'être à jeun avant de venir. Il n'y a pas d'allergie aux traceurs qu'on injecte. Par contre, c'est vrai qu'il faut savoir que l'examen au total dure environ 3 heures. En fait, le patient arrive dans le service, on injecte le radiopharmaceutique et après, on fait une partie des images au moins 2 heures après l'injection. Donc, le patient doit rester dans le service pendant un moment. Alors, la scintigraphie osseuse, ce n'est plus du tout une scintigraphie comme on connaissait avant, avec que des images planaires, des images en deux dimensions. Maintenant, les images de scintigraphie osseuse, c'est systématiquement des images hybrides. Donc, ça veut dire qu'on va systématiquement faire une scintigraphie en 3D et on va la coupler à un scanner. Donc, ça, c'est l'image que Pierre-André vous a montré tout à l'heure, hein, avec la table du patient, les deux détecteurs qui peuvent tourner autour de la zone d'intérêt et le scanner à la suite. Donc, en fait, on va faire vraiment le scanner dans la même position que la scintigraphie et on va pouvoir coupler les deux et avoir une image hybride où on va interpréter la scintigraphie, donc l'image métabolique, et aussi le scanner, l'image morphologique. On interprète chacun des deux et les deux en même temps. La scintigraphie osseuse, ça se passe en deux temps d'acquisition. Donc, après l'injection du pharmaceutique, on fait d'abord un temps qu'on appelle le temps précoce, qui comprend des images dynamiques. Ça, c'est des images qu'on fait immédiatement, après l'injection, vraiment dans les secondes qui suivent l'injection. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de voir une asymétrie de vascularisation entre deux membres, par exemple deux pieds, deux mains. Et puis, juste après, quelques minutes après l'injection, on fait des images de l'inflammation, c'est le temps tissulaire. Donc là, le traceur, il ne s'est pas encore intégré dans la matrice osseuse, c'est juste pour voir s'il y a une inflammation, une hyperémie locale ou diffuse. Et ça, on va le voir aussi tout à l'heure, mais ça va nous permettre aussi de rechercher des pathologies des parties molles. Même si ce n'est pas l'indication principale de la scintigraphie osseuse, on peut dépister certaines pathologies des parties molles avec ce temps de l'inflammation. Et puis ensuite, le temps principal de la scintigraphie osseuse, c'est le temps osseux. Donc ça se fait au moins 2 heures après l'injection. Le traceur, donc, c'est intégré dans la matrice osseuse. On voit l'activité des ostéoblastes. Donc là, je vous montre les images dynamiques. Donc c'est les images qu'on fait juste après l'injection. On voit l'arrivée du traceur dans les extrémités qu'on regarde. Donc là, c'est des pieds. Hein. Je ne sais pas si vous aviez reconnu, mais on voit que le traceur, il arrive plus vite d'un côté que de l'autre. Donc, il y a une hypervascularisation d'un côté par rapport à l'autre. Ça, c'est le temps dynamique. Juste après, le temps tissulaire. Donc, le temps tissulaire ou les images de l'inflammation, de l'hyperémie, qui notamment nous permettent de dépister des pathologies des parties molles. On voit des images comme ça. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a une inflammation à deux endroits sur le pied. Alors, sur ce pied-là, c'est sur l'insertion du tendon d'Achille. Et ici, une inflammation du tendon tibial postérieur à la face interne de l'Achille. Et puis ensuite, on fait le temps osseux. Donc, le temps osseux, alors il y a deux parties dans le temps osseux.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait en scintigraphie osseuse que des images en 3D couplées au scanner. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une partie encore qui est des images planaires en deux dimensions. C'est ce qu'on appelle le balayage corps entier. En fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble du squelette. On voit la fixation du traceur sur tout l'os. Et c'est un avantage de la scintigraphie osseuse. Hein. Ça nous permet, par exemple, un patient qui vient pour des douleurs de genoux, finalement, on peut se rendre compte avec ce balayage corps entier que c'est plutôt la hanche qui pose problème. Et puis ensuite, on fait des images 3D, donc centrées sur la zone d'intérêt. Hein. Donc la scintigraphie ou la tomoscintigraphie en 3D qu'on couple au scanner. Et on obtient des images comme ça. Donc ici, avec la fusion entre le scanner et la scintigraphie osseuse. Donc on interprète vraiment les deux, donc vraiment une imagerie hybride, une imagerie morphologique et fonctionnelle. Donc voilà pour les rappels de comment marche une scintigraphie osseuse. Maintenant, on va passer à quelques cas cliniques. Donc, j'ai 9 cas cliniques à vous montrer d'indications pertinentes de scintigraphie osseuse en médecine générale. Alors, première indication pertinente, c'est une patiente qui est envoyée parce qu'elle a des douleurs de l'avant-pied droit qui sont apparues brutalement il y a 6 semaines. Et voilà ce qu'on retrouve. On retrouve une fixation très intense du deuxième métatarsien droit. Et vous allez peut-être réussir à voir sur le scanner couplé que le deuxième métatarsien, il est un peu épaissi. Il n'est pas complètement normal sur le scanner. Je vais vous montrer l'image du scanner juste après. Là, vous voyez hein, ici. Hop. Donc ici, on voit bien qu'il y a une fracture avec un cale osseux juste à l'endroit qui fixe. Donc ça, c'est un exemple typique de fracture de fatigue où dans ce cas-là, on voit une anomalie sur le scanner, donc le cale osseux. Mais parfois, dans les fractures de fatigue, on ne voit pas du tout d'anomalie sur le scanner. Et dans ces cas-là, c'est vraiment l'intérêt de la médecine nucléaire. Et je vous montre un exemple ici. Lui, c'est un sportif de 30 ans qui vient parce qu'il a des douleurs depuis 2 mois de la troisième métatarsophalangienne droite. Voilà ce qu'on voit. On voit 2 fixations très intenses sur la tête du troisième et du cinquième métatarsien droit. Et là, chez lui, on ne voit aucune anomalie sur le scanner. Alors, je vous montre le scanner. Ici, on voit hein, sur le scanner, pas d'anomalie du tout. Ça n'empêche pas qu'on pose le diagnostic de fracture de fatigue avec certitude. Hein, c'est typique, cette fixation intense des métatarsiens de fracture de fatigue. Donc là, c'est l'intérêt de la médecine nucléaire par rapport à une radiologie ou à un scanner, c'est de dépister ces fractures de fatigue avant même qu'il y ait l'anomalie morphologique. Un troisième cas, une indication pertinente aussi, hein, une patiente qui est envoyée par son médecin traitant parce qu'elle a des douleurs de la face latérale de la cheville droite et son médecin suspecte une fracture de fatigue de la malléole latérale. Et ici, c'est un exemple pour vous montrer que même si le but de la scintigraphie osseuse, c'est de rechercher une pathologie osseuse, ça peut aussi dépister des pathologies des parties molles. Donc là, au temps osseux, on ne voit pas du tout d'anomalie de fixation sur la malléole latérale, pas non plus d'anomalie sur le scanner couplé, il n'y a pas de fracture de fatigue. Par contre, on voit que sur le temps tissulaire, donc le temps de l'inflammation dont on a parlé tout à l'heure, il y a une hypercaptation très intense ici du tendon fibulaire. Le tendon fibulaire, il était épaissi. Et donc là, ça permet de redresser le diagnostic et de poser le diagnostic de tendinite du long fibulaire. Même si ce n'est pas le but principal de la scintigraphie osseuse, on peut aussi redresser le diagnostic et voir des anomalies des parties molles. Alors, on change de domaine pour le quatrième cas. C'est une femme de 50 ans qui est envoyée pour des douleurs thoraciques antérieures et sternales. Et vous voyez, sur le balayage corps entier, on voit une fixation très intense du manubrium sternal et des articulations entre manubrium et clavicule et manubrium et corps du sternum. Je vous montre sur l'image 3D. Voilà ce qu'on voit. Hein. Et je vous montre sur le scanner couplé ce que ça donne. Donc on voit des condensations osseuses avec des anomalies des articulations. Et ça, c'est une image typique de SAFO. Pour nous, cette image du balayage corps entier qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'image en tête de taureau. Et c'est typique de SAFO. On change encore de domaine pour le cinquième cas. Encore une indication pertinente de scintigraphie osseuse, c'est une patiente qui est envoyée par son médecin pour une suspicion d'algodystrophie. Donc elle a été opérée d'une fracture du coude droit il y a 3 mois. Et là, elle a des douleurs de tout le membre supérieur et un œdème du membre supérieur. Donc ça, c'est des images dynamiques, dont le temps dynamique qui recherche la symétrie de vascularisation. Et on voit qu'on a une hypervascularisation d'un côté par rapport à l'autre. Le temps tissulaire, juste après, on voit qu'on a une hypercaptation, une inflammation de toutes les articulations du poignet, du carpe, des doigts, des métacarpophalangiennes, de la main droite.
ici le temps osseux, et là on voit un peu la même chose hein, qu'au temps de l'inflammation, on voit une hyperfixation intense de toutes les articulations de la main et du poignet droit, et une hyperfixation aussi du coude. Et ici, c'est le balayage corps entier. Donc, on retrouve les anomalies que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis, on voit que ces anomalies-là, elles remontent jusqu'à l'épaule, qu'on a une hyperfixation aussi de l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche. Donc, ça, c'est une image vraiment typique d'algodystrophie, avec vraiment une atteinte de toutes les articulations du membre. Donc, ça, c'est une bonne indication de scintigraphie osseuse. Et puis, dans ces cas-là, on peut aussi faire des images 3D avec le scanner pour rechercher, par exemple, un retard de consolidation de la fracture du coude ou d'autres anomalies qui pourraient être surajoutées à l'algodystrophie. Maintenant, juste un exemple pour vous montrer un patient qui vient pour des douleurs de genou bilatérales. Et en fait, sur le bilan radio, on voyait qu'il y avait de l'arthrose fémorotibiale interne et externe des deux côtés. Et là, la scintigraphie osseuse peut avoir un intérêt pour montrer vraiment l'arthrose qui est active. Et là, vous voyez, l'arthrose active, c'est vraiment sur les deux compartiments fémorotibiaux externes, à droite comme à gauche. Et ça, c'est des indications de scintigraphie osseuse demandées aussi parfois par les orthopédistes avant pose de prothèse, pour voir vraiment quel compartiment d'arthrose est actif. Septième cas, c'est un patient qui est envoyé aussi pour une suspicion d'arthrose parce qu'il a des douleurs de hanche gauche. Et en fait, on voit une image assez classique, assez typique de scintigraphie osseuse. On voit une fixation intense comme ça en cocarde de la tête fémorale gauche. Et sur le scanner, on voit la petite anomalie en coquille d'œuf là. Donc ça, c'est une belle ostéonécrose de la tête fémorale gauche. Donc il n'a pas d'arthrose, mais il a une ostéonécrose. Et vous voyez ici qu'il y a une petite anomalie aussi en coquille d'œuf de l'autre côté, mais qui ne fixe pas en scintigraphie. En fait, il avait fait aussi une ostéonécrose de la tête fémorale dans les années précédentes, mais qui était passée inaperçue. Donc la scintigraphie osseuse, très utile aussi dans les ostéonécroses, ou pour redresser un diagnostic, là, c'était une suspicion d'arthrose. Huitième cas, un patient 20 ans, sportif, qui vient parce qu'il a des douleurs de la face antérieure des deux jambes, et son médecin traitant suspecte une périostite. Et donc, en effet, on retrouve une fixation intense de la corticale des deux tibias, qui est un peu hétérogène, vous voyez, avec des fixations plus intenses à certains endroits. Donc ça, c'est vraiment en faveur d'une périostite, avec éventuellement des fractures de fatigue surajoutées sur les corticales tibiales, avec les endroits un peu hétérogènes. Donc là, vous voyez sur l'image en coupe, le tibia et la fibula de chaque côté, avec la fixation intense des corticales. Neuvième et dernier cas, une patiente qui a eu un cancer du col utérin qui a été traité il y a un an. Et là, elle a des douleurs du bassin et du rachis lombaire. Elle a fait plusieurs chutes, des chutes récentes, des chutes plus anciennes. Et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a mal. Est-ce qu'elle a des métastases osseuses? Est-ce qu'elle a des fractures? Si elle a des fractures, est-ce qu'elles sont anciennes ou est-ce qu'elles sont récentes? Ça, c'est une très bonne indication de scintigraphie osseuse aussi. Ça, c'est les images au temps précoce, temps de l'inflammation. Ce n'est pas les plus belles images, hein, mais vous voyez qu'on a une inflammation là ici qui correspond au sacrum, avec une inflammation en H, on va revoir ça tout à l'heure. Et ici, une inflammation sur une vertèbre lombaire, c'est L4. Et ça, c'est le temps osseux. Donc, on voit pareil, hein, la fixation en H du sacrum et la fixation de L4. Cette fixation en H, c'est assez typique d'une fracture du sacrum en H par insuffisance osseuse. Là, la fracture du plateau supérieur de L4 qui est affaissée et qui fixe. Donc ça, on y a une fracture et en plus, on peut dire qu'elle est récente. L'intérêt de la scintigraphie osseuse aussi dans ce cas-là, c'est de montrer que la fracture est récente. Une fracture ancienne, elle ne fixe pas et une fracture récente, elle fixe. Et là, ici, la fracture du sacrum en H. Alors, la fixation en scintigraphie, elle est assez typique. Sur le scanner, des fois, c'est un peu plus difficile à déterminer. Ça donne des fois des aspects un peu hétérogènes. On voit parfois des petites interruptions corticales, mais surtout un aspect hétérogène. Donc là, voilà, un aspect de fracture en H du sacrum et une fracture de L4, récente et non suspecte. Donc ensemble, on a vu plusieurs indications de scintigraphie osseuse pertinentes que vous pouvez retrouver en médecine générale. Des suspicions de douleurs osseuses ou articulaires, donc arthrose, fracture infraradiologique, ostéonécrose, suspicion d'algo, dater des fractures ou rechercher des fractures récentes. Alors, on n'en a pas parlé, mais ça peut être aussi pour des bilans de prothèses douloureuses. Recherche de métastases, je ne vous en ai pas montré, mais bien sûr, hein, c'est une indication aussi classique de scintigraphie osseuse. Et puis, diagnostic différentiel entre méta et pathologie bénigne. Voilà pour ma partie. Et donc, je passe la parole à Clémence
Guéry, qui va nous parler de la scintigraphie thyroïdienne. Vous voyez bien mon micro. Oui, c'est bon. Donc, moi, je vais vous parler de la scintigraphie thyroïdienne et ensuite du traitement de l'hyperthyroïdie en médecine nucléaire. Alors, c'est vrai que les images vont être moins belles que celles de Cécile en scintigraphie osseuse, mais c'est quand même pas mal. Alors, le déroulement d'une scintigraphie thyroïdienne, on injecte donc du technétium libre. La préparation demandée aux patients, c'est d'arrêter les antithyroïdiens de synthèse et aussi les hormones thyroïdiennes quand ils en ont, 7 jours avant l'examen. Contre-indication, on en a déjà parlé, donc grossesse et allaitement. Et donc, les patients, ils viennent dans le service, on leur injecte le technétium libre et 20 minutes après, on fait des images qui durent 10 minutes. En global, le patient il reste à peu près une heure dans le service parce que généralement, le médecin nucléaire voit le patient après les images. Alors, l'indication de la scintigraphie thyroïdienne, c'est l'hyperthyroïdie. C'est vraiment ça l'indication principale. On peut faire parfois la caractérisation de certains nodules thyroïdiens, mais en tout cas, il n'y a pas d'indication de scintigraphie thyroïdienne pour les goitres simples euthyroïdiens, pas de scintigraphie pour l'exploration d'une hypothyroïdie, ni pour la caractérisation de nodules de moins d'un centimètre. Donc là, on va regarder un peu les principaux diagnostics qu'on peut avoir en scintigraphie. Alors tout d'abord, une scintigraphie normale. Donc là, on voit que la glande thyroïde, elle est en position normale cervicale antérieure. Les deux, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, les deux petits foyers qu'il y a au-dessus, ce sont les glandes sous-maxillaires et c'est normal qu'elles fixent. Donc la thyroïde, elle a une forme de papillon. Parfois, on peut voir la pyramide de l'alouette. On en verra une après, vous verrez mieux. L'isthme thyroïdien est toujours plus hypofixant que les lobes et c'est normal qu'il y ait une fixation paracentrale un peu plus marquée. Donc ça, c'est une scintille normale. Maintenant, on va voir les scintilles pathologiques. Alors tout d'abord, la maladie de basse d'eau. Donc la maladie de basse d'eau, ça va faire une captation intense et diffuse de l'ensemble de la thyroïde de manière globalement homogène. Le bruit de fond est diminué. Donc là, donc on ne voit plus en fait, les petites glandes sous-maxillaires qu'on voyait tout à l'heure. Et on voit la pyramide de l'alouette au milieu. Ensuite, dans les diagnostics qu'on peut avoir d'hyperthyroïdie, ça va être les nodules. Alors là, on va répondre à deux questions. D'abord, est-ce que le nodule, il est chaud ou est-ce qu'il est froid? Alors, quand il est chaud, en fait, le nodule a une fixation qui est plus intense que le reste de la thyroïde, alors que quand il est froid, la fixation, le nodule, en fait, va être hypofixant par rapport à la thyroïde. C'est important parce qu'en fait, on sait que dans les nodules chauds, il y en a moins de 1% qui sont cancéreux, alors que dans les nodules froids, il y en a 5 à 10%. Et donc, quand en fait, on a un nodule froid, il faut aller plus loin, il faut refaire une échographie, plus ou moins, enfin, et refaire une cytoponction, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas un cancer sous-jacent. Si le nodule est chaud, il y a une deuxième question importante à laquelle il faut qu'on réponde, c'est de savoir si le nodule est toxique. C'est-à-dire qu'en fait, le nodule est toxique quand on ne voit plus le reste de votre thyroïde. C'est-à-dire qu'en fait, le nodule s'est complètement autonomisé et du coup, le reste de la thyroïde qui reçoit les informations de l'hypophyse avec la TSH essaye de limiter la quantité d'hormones qui est produite dans le corps et du coup, en fait, le reste de la thyroïde se met au repos et donc la seule chose qu'on voit, c'est ce nodule qui s'est autonomisé. C'est important quand il y a une notion de nodule et d'hyperthyroïdie qui est une échographie récente, parce que bon, parfois on a des échographies de 2-3 ans, mais du coup c'est vraiment important d'avoir une échographie récente pour que nous on puisse comparer l'échographie et la scintigraphie. Un autre diagnostic, ça va être la thyroïdite. La thyroïdite, il y a plusieurs types de thyroïdite. Alors, il y a la thyroïdite de Dekervin, qui est une thyroïdite qui est souvent après un épisode infectieux avec des douleurs cervicales importantes. Ça peut être une thyroïdite en lien avec une surcharge iodée. Enfin non, c'est soit une thyroïdite de Dekervin, soit une thyroïdite de postpartum. Donc ça donne des scintigraphies blanches. Donc comme vous voyez, en fait, on ne voit plus rien, il n'y a plus de thyroïde. Et ce qui donne aussi ces scintigraphies blanches, ça va être la surcharge iodée. Donc ça va être les patients qui sont sous cordarone
Et même des patients qui ont eu de la cordarone il y a longtemps, parfois jusqu'à plusieurs mois, voire plusieurs années, on peut avoir des scintigraphies vraiment blanches. Des patients qui ont eu des produits de contraste iodé récents, donc soit scanner injecté, soit coronarographie, ça va être souvent dans les 2-3 mois après, on a encore une surcharge en iode, ou alors des traitements comme l'immunothérapie. Donc ça, c'est vraiment des scintigraphies où on ne voit pas la thyroïde et il faut refaire les examens a posteriori pour voir si besoin. Donc là, on a parlé de la scintigraphie thyroïdienne, du diagnostic. Et en médecine nucléaire, on peut aussi traiter par iode 131. Donc là, c'est du traitement. Ça peut être à la fois le traitement de l'hyperthyroïdie et le traitement du cancer de la thyroïde. Je ne vais pas parler du traitement du cancer de la thyroïde parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc là, on parle du traitement de l'hyperthyroïdie, dont les indications, ça va être la récidive du maladie de basse Dow et les nodules toxiques. Souvent, les maladies de basse Dow, elles sont quand même traitées par antithyroïdien de synthèse avant. C'est vraiment très rare qu'on soit en première ligne sur le traitement de la maladie de basse Dow. Donc, les nodules toxiques, pour les nodules, donc ça va être vraiment les nodules chauds, parce que comme je vous ai dit, les nodules froids, il faut aller plus loin avant de pouvoir traiter une hyperthyroïdie avec un nodule froid. Donc, le cancer thyroïdien, je ne vous en parle pas. Dans tous les cas, le traitement de l'hyperthyroïdie, c'est une gélule, toute simple, qui ressemble à une gélule de Doliprane, qui se prend par os. C'est un traitement ambulatoire dans le service de médecine nucléaire. Il n'y a pas d'allergie à l'iode possible. Pas d'effet secondaire. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait absolument une échographie, une scintigraphie thyroïdienne au préalable pour savoir ce qu'on traite. Et donc, j'y reviens, il ne faut pas être surchargé en iode parce qu'en fait, si les patients ont de la cordarone ou un scanner injecté récent, en fait, l'iode ne va pas du tout pouvoir se fixer au niveau de la thyroïde, donc le traitement sera complètement sans effet. Et alors, les principales contre-indications du traitement par iode 131, ça va être l'incontinence urinaire, qui est une contre-indication relative, mais vraiment, c'est une très grosse incontinence urinaire, ça ne va pas être possible. Des troubles cognitifs, parce que si les patients ne comprennent ni l'indication du traitement, ni les règles à suivre derrière, ce n'est pas gérable. Dans les maladies de basse Dow, ça va être l'orbitopathie basse-dowienne parce que au moment de la prise de gélule, enfin dans les quelques jours après, on peut aggraver cette orbitopathie. Alors, s'il y a une suspicion de cancer, on ne peut pas traiter parce qu'il faut refaire le point après. Des très gros goitres, on ne traite pas parce que ce sera trop compliqué. Et ensuite, ben forcément, la grossesse, on en a parlé déjà sur le plan diagnostic, on ne fait pas, mais grossesse-allaitement et projet de grossesse. Parce que quand on prend une gélule d'iode 131, on dit que pendant les 6-9 mois derrière, il ne faut pas démarrer de grossesse. Et donc, sur un plan pratique pour les patients, il faut arrêter les antithyroïdiens de synthèse 7 jours avant et pendant 7 jours après la prise de l'iode. Parce qu'en fait, sinon, ça diminue l'efficacité. Ensuite, on demande aussi aux patients de limiter leur prise d'iode alimentaire dans les 7 jours avant. Donc, éviter de faire des plateaux de fruits de mer, du poisson pendant 7 jours, pour éviter en fait de s'apporter trop d'iode et de se surcharger de manière moins marquée, mais de se surcharger un peu en iode. Et en fait, l'iode va mettre du temps à agir, donc il faut contrôler la TSH un mois après. Ça ne sert à rien de faire une TSH 7 jours après le traitement. Il faut que l'iode fasse son effet. Et donc, un mois après le traitement, on fait une TSH pour voir bah, si les patients sont toujours en hyperthyroïdie, s'ils sont en euthyroïdie ou s'ils sont en hypothyroïdie, puisque nous, on essaye de trouver un peu la dose parfaite pour les patients, mais ce n'est pas toujours très simple. Donc, c'est possible quand même les patients soient en hypothyroïdie définitive derrière. Il y a à peu près un tiers de nos patients qui sont en hypothyroïdie derrière, définitive. Donc, TSH un mois après, et après, on en fait une au moins pendant 6 mois pour voir l'évolution. On peut faire un deuxième traitement si la première dose n'a pas suffi, mais c'est minimum 6 mois après la première et on ne va pas au-delà de deux. Au-delà de deux, ça va être chirurgie, on ne fait pas. Et donc pour les patients, pour le coup, donc Pierre-André vous en a parlé au début, hein, il n'y a aucune règle de radioprotection quand c'est du diagnostic, mais quand c'est de la thérapie, il y a quelques règles à respecter. Et ça, c'est à peu près dans les 5 jours qui suivent le traitement.
Voilà pour la partie sur la thyroïde. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions qui... Si, Alors, pour la présentation, déjà, défi relevé de tout vous présenter en 30 Les 30 minutes. Minutes, on est en prêt. Donc, je pense qu'on est pas mal. Il y avait une question, c'était de remontrer les indications. C'était une question de Manon qui voulait qu'on remonte les indications de la scintigraphie osseuse. Si tu peux les afficher sur ton diapo, Cécile. Alors, sachant que, comme vous êtes inscrit avec votre email, on va pouvoir vous envoyer un petit... questionnaire de satisfaction sur la pertinence du topo et s'il a répondu à sa promesse. Et puis ensuite, on pourra vous transmettre une petite fiche récapitulative, on va dire les take-home messages, hein, tout ce qu'on ramène à la maison, une petite feuille qui tient dans la poche quand on est en consultation si on a une question de ce qu'on s'est dit ce soir. Je te laisse afficher, Cécile. Puis pendant ce temps-là, je vais répondre à une autre question de Manon. Qui demandait le prix d'une scintigraphie osseuse. Ben, le prix d'une scintigraphie osseuse, c'est 168,71 € tarif optum. Voilà. On avait une autre question de Laure qui nous demandait comment en pratique on pouvait faire une demande de scintigraphie osseuse. Alors, nous, on a envoyé l'invitation pour ce webinaire aux médecins généralistes donc un peu partout autour de Rennes, donc Ille-et-Vilaine, mais aussi dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs centres de médecine nucléaire en Bretagne. Hein. La Bretagne est plutôt bien desservie. Donc, vous avez un centre libéral à Vannes, à Lorient. Vous avez un CH... public et une activité privée aussi à Saint-Brieuc. Et puis à Rennes, vous avez donc le CAC qui offre une mission de service public en médecine nucléaire et puis nos confrères de Saint-Grégoire en libéral. Donc déjà, vous êtes plutôt bien dotés. Pour les autres, je ne vais pas répondre. Pour nous, vous faites l'ordonnance au patient et puis le patient prend contact avec la structure. Donc, il appelle le secrétariat, qui sont super disponibles, hein, prendre les renseignements, les informations patients, sachant qu'il y a quelques informations qui sont utiles pour nous, c'est de savoir ce que vous suspectez, hein, donc scintigraphie osseuse pour douleur du genou. Après, si on peut avoir quelques éléments cliniques, c'est toujours un plus, même si le patient est interrogé dans le service pour faire préciser sa douleur. Ça nous permet de mieux protocoler les examens. Et puis, une autre information importante, mais que le patient va donner à nos secrétaires, c'est son poids, parce que les doses qu'on donne au patient, c'est des doses en fonction du poids. Et nos délais. Alors, ça va dépendre en fonction de si on a une grosse pression de prescription ou pas, mais on est allé entre une semaine à 3 semaines dans les périodes où on est le plus dans le rush pour une scintigraphie osseuse. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Il y avait une question. Ouais. Vas-y, tu peux répondre à... Tu avais vu une question peut-être Vas-y. Qui demandait qu'est-ce qu'on pensait de l'utilisation de la scintigraphie osseuse pour des syndromes douloureux chroniques disséminés de type fibromyalgie. Ben, on en fait, hein. Souvent on ne voit pas grand-chose, mais du coup, en effet, oui, ça permet d'éliminer, comme tu disais, hein, métastases osseuses, pathologie arthrosique, pathologie rhumatismale. Ça permet d'éliminer pas mal de choses, mais c'est vrai que le plus souvent, on ne voit rien, du coup, mais on en fait, hein, et ça peut être une indication pertinente pour éliminer tous ces autres diagnostics qui ont un traitement connu. Oui, c'est vrai que la scintigraphie osseuse pour les fibromyalgies, on en fait. Bon, généralement, on aime bien parce que ça va vite, parce qu'on ne trouve rien. Mais les gens qui ont une fibromyalgie ont aussi le droit d'avoir d'autres pathologies. Et la scintigraphie osseuse, c'est un très bon examen, je pense, pour justement éliminer un diagnostic différentiel. Quelles sont les mesures de radioprotection? Je pense que c'est pour la partie hyperthyroïdie. Alors, ce qu'on demande aux gens, c'est d'éviter les rapports rapprochés prolongés. Donc, en fait, c'est d'être typiquement de dormir à côté de son conjoint. Alors,
Je tiens à préciser quand même que si on laisse sortir les patients, c'est qu'il n'y a pas de risque qui a été prouvé pour qui que ce soit. C'est un principe de précaution de ne pas recevoir une irradiation dont on n'a pas besoin. Mais voilà, si on laisse sortir les patients, c'est qu'on considère que le risque est quand même vraiment très minime. Alors, de manière assez logique, on essaye d'éviter les rapports, notamment avec les femmes enceintes et les jeunes enfants. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'éviter de dormir à côté de son conjoint. On essaye de faire chambre à part pendant 4-5 jours parce qu'on dort 8 heures à côté. Bon, bah là, on est proche. Et puis, bah, on évite les repas de famille qui durent 5 heures. On est vraiment juste à côté, d'aller au cinéma, des choses où, en fait, on est longtemps à côté des gens parce que voilà, ils n'ont pas besoin de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on s'éloigne des gens, plus très vite la radioactivité qu'on reçoit diminue. C'est-à-dire qu'à 1 mètre, on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup moins qu'à... À 2 mètres, je veux dire, on reçoit beaucoup, beaucoup moins qu'à 1 mètre. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre à 10 mètres, quoi. Déjà, à 1 mètre 50, c'est largement suffisant et c'est pas... la radioactivité qu'on reçoit est très, très faible. Ouais. Alors moi, c'est vrai que pour les patients, pour leur répondre rapidement, j'en vois beaucoup moins que Clémence, mais je leur dis éviter les contacts rapprochés, prolongés. Je leur dis moins d'un mètre, plus d'une demi-heure. En gros, ce qui intéresse les gens, c'est souvent savoir si est-ce qu'ils ont le droit de faire un câlin à leur enfant, est-ce qu'ils ont le droit de prendre leur conjoint dans les bras. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est comme le disait Clémence, éviter de dormir dans le même lit les 5 jours qui vont suivre la prise. Ça, c'est valable pour la thérapie. Vraiment. Pour le diagnostic, donc tout ce qui est imagerie, scintigraphie osseuse, scintigraphie thyroïdienne, autre type de scintigraphie ou encore TEP, on n'en a pas du tout parlé, il n'y a vraiment aucune consigne de radioprotection pour le diagnostic en médecine nucléaire. Il y avait une question sur les indications de scintigraphie thyroïdienne, je ne sais pas si tu peux les afficher, Clémence. Et puis, je vois quel délai pour une scintigraphie osseuse. Alors, bah, comme j'ai dit, ça va dépendre, mais en tout cas, pour nous, c'est entre 1 et 3 semaines en fonction du moment, si on a une grosse demande ou non. Mais ça n'excède jamais 3 semaines. Et en fonction de l'urgence, évidemment, de l'indication, on a aussi possibilité toujours de rapprocher les créneaux. Quelqu'un pose une question aussi, Guillaume, pour les rhumatismes inflammatoires, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, PPR, maladie de Horton, quelle est la place de la scintigraphie osseuse? Alors, PPR et maladie de Horton, il n'y a pas de place de la scintigraphie osseuse. Ce qu'il faut faire, c'est une TEP, une TEP FDG. Donc, effectivement, on n'a pas du tout parlé de la TEP aujourd'hui, mais on est disponible si vous voulez qu'on vous fasse un topo sur la TEP. La question qui suit, Cécile. Tu peux y répondre en même temps, c'est pas la même chose. Les PET scans, ça, ouais, tu veux, je te laisse. En effet, la TEP, c'est pas un scanner et une scintille couplée. Hein. Scanner et scintille couplée, bah, c'est scintille-scanner ou scintille-scintigraphie. Enfin, de toute façon, une scintigraphie, maintenant, c'est toujours couplé au scanner. Donc voilà. Et la TEP, c'est le même principe hein, de réalisation d'examen qu'une scintigraphie. On injecte aussi un traceur radioactif et on fait des images et on coupe au scanner. C'est juste que c'est une machine différente et donc on n'injecte pas exactement la même chose. Et on voit des choses différentes. Ouais. Et donc, notamment, pour rechercher une PPR ou une maladie de Horton, ça, il faut faire une TEP et pas une scintigraphie osseuse. Et aussi, un petit point pour ces éléments-là, il faut le faire le plus vite possible après l'instauration des corticoïdes, voire même avant l'instauration des corticoïdes, enfin, en tout cas, le plus rapidement possible, parce que ça se négative assez vite une fois que les corticoïdes ont été commencés. Et pour les rhumatismes inflammatoires, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, la place de la scintigraphie osseuse... C'est un peu débattu, on va dire. C'est un peu débattu et c'est plutôt une indication. Du coup, c'est un examen qui sera demandé plus par le rhumato quand il décidera de le dégainer de son arsenal diagnostique. Quoi. C'est pas notre indicateur principal quand même.
Et pour, c'est vrai qu'on dit TEP, PET, enfin, c'est TEP en français, PET scan en anglais, c'est pour la tomographie par émission de positons. Donc, comme l'a dit Cécile, c'est encore un autre examen qu'on fait en médecine nucléaire et auquel on peut tout à fait vous faire un rapide topo si c'est votre souhait sur le sujet, pas ce soir. Mais ça peut être l'objet d'un autre topo parce que c'est sûr qu'il y a aussi des indications en médecine générale à demander des TEP. Alors, il y a une question sur la scintille thyroïdienne. J'ai plutôt laissé mes collègues répondre de Valentine. Puis on va dire que c'est la dernière du coup question. Ou alors parce que on déborde un peu sur la promesse qu'on vous avait faite d'une demi-heure. Après, On va pas Pierre, trop exagérer. avant que je réponde, Pierre-André, tu peux remettre nos adresses mail si vous avez. J'ai arrêté mon Bien sûr. partage. Si vous avez des questions, y a pas de problème pour nous contacter. En tout cas, pour la scintigraphie thyroïdienne, toutes les hyperthyroïdies, c'est une bonne indication. Vraiment, c'est l'indication, qu'importe ce que vous suspectez comme étiologie, ça sera une bonne indication. Ok, alors j'ai vu qu'il y a plein de questions qui étaient arrivées sur la fin. On va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, vous voyez. Si vous voyez mon écran, vous ne voyez pas Si mon on écran, voit Pierre-André, peut-être. ouais. Ah, ok, excusez-moi. Donc du coup, vous aviez nos adresses e-mail. Pas celle de Cécile qui n'apparaît pas très bien. Ok. Oui, pardon. Cécile C'est pour pas grave. Cécile. Non, non, mais Ah, c'est pas grave. Cécile En pour tout cas, la vous avez. scintigraphie aussi. Vous pouvez nous envoyer des emails et on répondra à vos questions. On répondra aux questions que vous n'avez pas pu poser ce soir. Et puis si l'occasion se présente, d'en discuter directement à l'occasion. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci. Merci à tous.